Eh bien, salut mes petites moumoules, c'est XVSK et aujourd'hui on se retrouve pour la suite des aventures sur Ghost of Tsushima! Mon armure Parce qu'on est adore à les l'état sushis! minimum. C'est tellement bon les sushis! Faudra peut-être que je m'en refasse prochainement. Ouais. Bon, allez ma petite vieille, parle-moi! Dame Masako, du nouveau sur les tueurs de votre famille? Sur la liste qu'on a trouvée, Sadao est nommé en premier. Il est le chef de la ferme de Kuta. Les gens de Kuta servaient votre clan. Pourquoi Sadao vous trahirait-il? Parce que c'est un traître et un ingrat. Mon époux avait nommé Sadao chef de la ferme, et il l'en a remercié avec un bain de sang. J'ai su qu'il avait quitté Kuta la nuit où ma famille est morte. Il a dû apprendre que vous aviez survécu. Sadao est une vipère habile, mais son frère, Hachi, est un idiot. Il vient de passer au temple avec un chariot de vivres pour les réfugiés. Il prévoit de faire une livraison inopinée à son frère. Et nous serons là pour l'attraper. Partons vite, ou nous perdrons sa trace. Après ce qui s'est passé à l'auberge, je ne pensais pas que vous retourneriez au temple. Je suis venu pour guetter le frère de Sadao et pleurer les morts de mon clan. Leur avez-vous offert des funérailles décentes? Quand leurs meurtriers auront été punis. Quand mon père est mort, je lui ai fait mes adieux le soir même. Ma peine s'en est trouvée adoucie. Je les ai enterrés. Cela devra suffire. Pour l'instant. Quand avez-vous dormi ou mangé pour la dernière fois? Je me suis nourri de riz et de poisson hier. Même les plus jeunes guerriers ont besoin d'un estomac plein et d'un bras reposé. Insinuerais-tu que je suis vieille, Jin? Je n'oserais pas. Je te garantis que mon bras ne faiblira pas. Bah moi j'insinue clairement que tu es vieille. Hein. C'est pas contre toi, mais tu es vieille. Oh. Poum poum poum. Nous aurions dû rattraper Hachi maintenant. De quel côté sera-t-il allé? Les deux routes sont marquées. Il ne doit pas être loin. Cherchons-le. Les deux routes sont marquées. Marquées par quoi? Bon, on va prendre celle-là d'abord. Il n'y a aucune empreinte sur le sol, rien. Et le vent ne semble pas... Ah! Retourner dans la zone de recherche, ok. C'est clairement pas le bon chemin. Il m'indique d'aller là-bas. On va descendre, hein. On va faire le vent quand même, histoire de vérifier que... On est sur le bon chemin. Masako, là, dans mon chariot. C'est Hachi, le frère de Sadao. Où est cette maudite? La voilà. Allez, on va devoir le suivre. Suivons-le, de près, mais sans qu'il nous voie. Ah oui, tel des ninjas, quoi. Il n'aura pas de carotte à l'arrivée. Non, mais tu vas mourir, ça c'est sûr. Ninja! Quelle magnifique journée pour marcher! Dit le mec en chariot. En fait, c'est con parce qu'on dirait que c'est pas lié à notre champ de vision de pouvoir perdre la cible. Des Mongols, mon ami, ne compte pas sur moi. Pourquoi ça fume sur l'herbe? Il fait la visite. Il ne faut pas qu'il nous voie. Oula, comment il a accéléré d'un coup? À manger, à boire. Truc de fou, comment il a accéléré? Bien sûr. Vous avez promis du saké. As-tu? Non, mais j'ai quelque chose pour votre invité. C'est un rendez-vous. Nous lui ferons passer. Il leur a remis un message. Je reviendrai ici, à l'heure habituelle.
Nous serons présents. Oublie le chariot. Suivons ces cavaliers. Ouais, mais s'ils sont à cheval... Faut y aller à cheval, non? Cet homme est un idiot. C'est le frère du chef du village. Ça ne change rien. Mais il a du bon saké. Ouais, du bon saké. Que ce message. Ce message est plus important que ta vie. Si nous ne l'apportons pas, le chef nous tuera. Sadao est un père de famille. Mais de mauvaise famille. Ses cousins sont des bandits. Est-ce que tu te souviens des soulèvements qui ont eu lieu quand la ferme de Kuta a manqué de riz? Oui. D'après toi, qui a recruté les bandits qui ont massacré les insurgés? Le chef Sadao. Est-ce qu'ils vont à droite ou s'ils continuent? Je le savais. Voilà. Alors, quand tu parleras du chef, souviens-toi du massacre de Kuta. Sérieux? T'es retourné en mode random, mec? Ils vont où, ces enfoirés? Ça va, campement? Ah, mais donc. Vous prenez des chevaux juste pour aller aussi. Oh merde. Bon, ça va, ils sont un petit peu stupides quand même. Maison de bûcheron, gardée par des bandits. Les cousins de Sadao. Il doit se cacher ici. Nous n'en savons rien. Mais nous le saurons très vite. Envoyez votre... Oh putain. Elle cherche pas à comprendre, hein. Elles font dans le tas. Ah, il y a un archer là-bas. Ah ouais, j'accasse vachement mieux là, dis donc, avec ce bouclier. Avec... Ah, bordel! Mais... Ah, j'ai du mal! What? Meuf, t'as pas envie de m'aider un petit peu? Baissez-vous! Ouais, baissez-vous, t'es mort. Ah, j'avoue que l'armure elle aide vachement, hein. Eh ben dis donc, m'attendais pas à ça, hein. En vrai t'es juste nul au début parce que t'as pas la bonne armure, quoi. Les morts ne nous révéleront rien. Il y a quelqu'un dans la maison, je vais l'interroger. Laissez-moi d'abord lui parler. Un message de Sadao. Hachi l'a remis aux gardes. Il ne dit pas où il se cache. Je ne vous ferai aucun mal. Je m'appelle Sakai. Quel est votre nom? Ina, c'est l'épouse de Sadao. Mon mari est innocent. Ce sont les Mongols qui ont tué votre famille. Où est-il? Je l'ignore. Mensonge! Elle va nous aider. Mais elle ne peut pas rester là.
Je vais la conduire chez moi. Elle va me tuer, monseigneur. Il ne vous sera fait aucun mal. Est-ce que vous aussi vous doutez de ces propos? Il ne vous sera fait aucun mal. Chère détermination. Au moins, les dégâts. Ah, 15%. C'est bon, ça. Bon. Alors, on va faire. T'es sérieuse? Hausse mineure, putain. Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose de faire toutes les quêtes secondaires. D'un côté, c'est intéressant et tout, parce que, enfin, on sent quand même qu'il y a du travail derrière les quêtes et tout, même si c'est pas forcément exceptionnel, hein, mais... Ah, j'avoue, j'ai bien envie de savoir ce qui s'est passé réellement par rapport au massacre de ce clan-là. Je vais jouer au bon endroit, moi. Bonjour! What? Oh bah ça valait bien la peine! Ici! Il est où mon cheval? Il est où mon cheval? Ah, te voilà! Pourquoi attendez, qu'est-ce que c'est que cet embrouille? C'est vachement loin en fait. Ah, quoique, il y a un truc là-bas. Il y a un lieu à découvrir. J'ai envie d'aller le découvrir. Bon, apparemment, je suis sur la bonne voie, mais à mon avis, il va falloir grimper. De la chance avec cheval, ça va passer. Sanctuaire du sommet d'or. Ça m'importe quoi de découvrir la zone en fait. Ah. Bah oui, mais vous avez atteint le lieu suivi. Oui, mais ça me dit qu'il y a un charme dans le coin. Est-ce qu'il faut que je monte? Parce que je sais pas trop par où je pourrais monter en vrai. Je passe un petit peu bizarre. Ah, je vois qu'on peut monter par là. Ah, je vois là-haut qu'il y a quelque chose, mais la question c'est comment on y accède. Donc, du coup, faut chercher. Est-ce qu'il y aurait quelque chose ici? Non. Alors, je sais que je suis souvent aveugle, là je vois quelque chose. Oui, on est d'accord, il peut pas. Hein? Comment je fais? Alors autant dans, en général dans les jeux c'est super obvious, mais là... Alors, vous me direz même quand c'est obvious j'arrive à me foirer. Donc... Ouais non, ça marche clairement pas. Alors qu'est-ce qui nous permet de monter ce machin? Non, parce que là, je suis en train de tout redescendre, en fait, là. Qu'est-ce que j'ai loupé? À moins qu'il faille que j'aille sur l'autre côté. Nah. C'est relou, là, par contre. C'est
grave relou même. Ou alors peut-être que je dois pas monter. Hein. C'est dommage que quand on se met comme ça, on peut pas afficher. Ah si ! Ah merde. Ok, fallait aller sur le côté en fait. J'avais pas vu le pont cassé. Bon, vous m'excuserez, hein, on va regarder un petit peu. Hein. Ah ! Oui, mais on n'avait pas qu'un seul en fait, d'accord. Et bien entendu, la réponse se trouvait... Soyez prudent, monseigneur. La route est dangereuse. Oh bah, d'accord. J'allais partir à droite, toujours partir à gauche. Ah ! Soyez prudent, monseigneur. Vous inquiétez pas, je suis samouraï de formation. Oh, de la bœuf. Bois de cire. Allez, rampe. Waouh, à la vue. Ah, cette vue de fou furieux. Waouh. J'avoue, il y a de la poésie dans ce jeu. Ah, si seulement The Last of Us Part 2, on avait eu de la poésie, hein! Ah là là, je vous jure! Alors, bon, on va sûrement aller sur le côté. Ouais! Avec ce génie de 2020. Hein. Faites attention, monseigneur, vous risquez de mourir. Ah. Pourquoi je sens que j'ai pas pris le bon chemin, hein? Je sais pas où je vais, mais en tout cas j'y vais. Ouh, non, doucement, Jean. Oh! Ok. Alors là, je vois qu'il y a de la fleur, donc on va prendre la fleur, essayer de pas tomber. À quoi vont nous servir les fleurs? J'ai pas regardé si, si c'était une quelconque utilité. Ouf! Oulala! Là là là, ouf! Descends, si, prends la fleur. Hop. Ça fait un petit peu peur là quand même, hein. Faut pas tomber, hein. Et voilà comment on atteint le sommet, les enfants. Honorons les morts. Ou honorons les ancêtres, je sais pas. Ah, oh, cette classe, quand même. Ah, il y a de la magie, là, quand même. Il y a quelque chose de beau, de spirituel. On sent que ce Sucker Punch, ils ont bien fait leur truc. Charme du Kami du dieu du soleil. Le charme du dieu du soleil. Kami du à ma terrasse. J'ai fait quoi là? Ça nous faire descendre? Ah oui, ça nous faire descendre, ok. Bon, du coup, objectif, parce que là, on a fait beaucoup de choses, mais on n'a pas été objectif. Cheval! Mon petit Nobu! Alors. Indique-moi le vent où je dois me... Le vent ne m'indique absolument pas où je dois me rendre. What? Ah. Ah, merci le vent! Je t'ai enfin réveillé. Ah, il y a des provisions là.
droite. Ah, il y avait un ours. Bon, essayons d'être attentifs et de regarder s'il n'y a pas des trucs. Oh merde, du jaune sur du orange, ça va être difficile à voir, je pense. Bon, ma petite vieille, est-ce que tu as tué cette pauvre dame? Je veux savoir si tu l'as tué. Domaine Adachi. Jin Sakai. Oui, c'est moi. Dame Masako, la femme du traître vous a-t-elle dit où il se cachait? Quand je le lui demande, elle se met à pleurer et elle baisse les yeux. Peut-on l'en blâmer? J'en viens à le croire. Peut-être un jeune samouraï saura-t-il la charmer. Elle est ici. Ah. Attendez-la. Seigneur. Dame Masako a l'intention de me tuer. Je le vois dans son regard. Je ne la laisserai pas faire. Mais j'ai besoin de votre aide. Je vous ai déjà dit tout ce que je sais. Hachi livre des messages pour le compte de votre époux. C'est donc qu'ils se rencontrent. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que Masako ne les trouve tous deux. Non, vous devez le sauver. Je ne pourrai le sauver que si je le trouve avant elle. Vous connaissez votre époux. Où se cache-t-il? Attendez un instant. C'est important, Ina. Votre mari a tué des innocents. Je reviens. Alors ? Elle m'a demandé de lui laisser le temps de réfléchir. Que lui as-tu offert? Allons marcher, voulez-vous? Je sais où elle ne pourra pas nous entendre. J'ai dit à Ina que j'essaierais de sauver la vie de son mari. Mais tu sais que je vais le tuer. Il fallait que je gagne sa confiance. Alors tu lui as menti. Je lui ai dit que j'essaierais de le sauver. Je le ferai. Que lui diras-tu quand tu échoueras, Jin? Que vous ne pouviez pas pardonner son crime, et que je ne voulais pas vous priver de justice. Oh, que je pose les yeux. Je ne vois que la nuit où ma famille est morte. Quand mon père est mort, je suis parti pendant longtemps. Une maison vide s'effondre très vite. Cette maison n'est plus la mienne. C'est le lieu où ma famille a été massacrée. De petites mains grippant des jouets. La ceinture d'or de ma sœur, autour de son corps en charpie, je ne peux plus les protéger. Je peux seulement les venger. Il n'y a pas de musique. Quoi? Mes petits-enfants et moi venions jouer de la musique ici, afin de célébrer le passage des saisons. Plus jamais je ne les entendrai jouer. Merci. Ne me touchez pas! Ina! Vite, la maison! Ah mon Dieu! Ils vont la tuer! Et elle est morte. Non. Ina. Il nous faut son tueur. Et vite! Fouillons le site. Il a dû laisser une piste. Ouais, mais où?
Ah. Par là. Les empreintes sont ici. Ah, c'est à gauche. Pourquoi quelqu'un irait tuer Ina? Pour nous empêcher de trouver Sadao. Les traîtres savaient que nous l'avions. Nous avons fait un long voyage depuis la Syrie. Beaucoup de gens nous ont vus ensemble. Vous y avez veillé. Elle vous a servi d'appât. J'espérais que son mari intervienne. Vous auriez dû m'en parler. Pour que tu m'en empêches. J'ai promis de la protéger. En fait, je sais vraiment pas où me tourner vers les dialogues. Parce que j'ai pas envie d'avoir une bad ending ou une connerie dans le genre pour avoir fait un mauvais choix. Il n'y a qu'un jeu de traces. Qui que soit le tueur, il est seul. Maintenant qu'Ina est morte, il nous le faut vivant. Battez-vous! Désolé, je parle pas le mongol. Faut pas qu'il meure. La plaie est profonde. Je ne veux pas mourir comme ça. Yep. Je suis blessé. Yes. C'est ce que j'ai entendu. Bon. Non, pas vous. Hachi, le frère de Sadao. Pourquoi avoir tué Ina? Je voulais la délivrer, mais elle refusait. Elle voulait sauver Sadao. Elle poussait des cris. Je n'avais pas l'intention. Où est ton frère? Je l'ai déçu. Je ne la trahirai pas. Je t'interdis de mourir! Dis-moi où il est! Il est mort. Non. Non. Ina est morte pour rien. Ce sont des traîtres qui l'ont assassinée, tout comme ma famille. Je refuse de baisser les bras. Il portait des messages pour son frère. Il en avait peut-être un. Qu'as-tu trouvé? Une carte des ravitaillements. Il approvisionnait des camps de survivants. Sadao doit se cacher dans l'un d'eux. Va au camp le plus proche et parle au moine responsable. Il saura peut-être lire cette carte. Qu'allez-vous faire? Je vais enterrer Ina. Je le lui dois. Je te retrouverai au camp juste après. Ah là là, les trahisons, tout ça, c'est vraiment pas joli. Hein. Nouveau point de compétence. Charme de destruction double 1. Il attaque pour 5% de figé deux fois. Pff, 5%, c'est pas énorme, hein. À 5% de santé en moins. Ouais, je vois, c'est comme ça. Sanctuaire d'énergie requis pour débloquer un emplacement de charme mineur. Débloquer des emplacements de charme supplémentaires en honorant les sanctuaires d'énergie. Une nouvelle faveur disponible. La Menadachi. En vrai, j'irais bien regarder ce qu'il y a. Enfin, ça sert à rien de toute façon qu'on se fasse chier à faire une nouvelle quête, vu que la vidéo est presque finie.
plus. C'est bien. Donc on va aller faire un petit objectif secondaire. On va aller découvrir ce qui se cache là-bas. Et après on ira chercher à faveur. J'aimerais bien trouver des sources d'eau chaude et autres, histoire d'augmenter la vie de Jean. Y'a de la meuf! Plus vite! Suivez le vent! Il a vraiment bon dos, le vent! Même si je sais pas où je vais, c'est pas très grave si je me perds comme un connard. Ah, ça brille là-bas! Oh, attendez, je suis Oh non, non, oh, putain! Oh, oh. Vas-y, je suis curieux. What? Mais quel toc, cette ours! Tout? Sérieux? What? C'est tout? Y'a rien d'autre? Je m'attendais à un combat à mort et tout! Au final, c'est de la merde. Bon, à mon avis, les ennemis avaient dû déjà bien amocher, mais. Quand même, là, quoi. Pouah, les bons qu'il fait ce cheval, c'est un truc de fou. Ouais, ah, attendez. Ah, je peux chasser les cerfs aussi, ok. Un terrier de renard. En fait, c'est quoi les terriers de renard? Sanctuaire d'un requis pour débloquer un emplacement de charme. Peut-être que je vais faire ça un jour. Bah, bon, il y a des trucs que je vais sûrement faire. Je suis quand même curieux si je le suis. Je peux le tuer? Non, je peux pas. Je suis curieux juste de le suivre. On va suivre en 2 km, on va rien comprendre. Où est-ce que tu m'emmènes, petit? Défiez-moi! Eh bien entendu, il y avait des gars sur le chemin, hein. Eh ben non! Les aigles mongols et mongols ont des yeux dans le ciel. Ce règle vous repère et alertera les ennemis. Ah putain, j'avais pas vu. Ah putain. Oh vas-y, posture de l'eau, tant pis. Monsieur, vous allez bien? Ne bougez pas. Tant de braves samouraïs sont morts à Komoda. Comment avez-vous pu survivre? On ne peut pas leur échapper, monseigneur. Ils contrôlent toutes les routes des environs. C'est ainsi qu'ils vous ont pris? Oui. Je suivais un des sentiers et ils avaient un camp tout près.
Ils sont à l'affût des voyageurs. Allez vous cacher dans la nature, jusqu'à ce que les routes soient sûres. Ça vaut vraiment pas le coup, hein. Par contre, il a dit qu'il y avait un campement dans le coin. Ok. Bon, on va aller chercher ça. Allez. Guetter les... Ok, j'ai pas le temps de lire. C'est pas grave. Bonjour. Oh. Je suis ravie de vous voir. Quelque chose. Merci pour vos ressources. Pop, amélioration de katana, j'ai pas rêvé là. Moi des améliorations katana, mon gros. Votre lame est prête. Merci. Je vous remercie. Merci, mon forgeron. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'adore parce que je suis dans un truc qui est supposé aider les gens et je suis en train de les voler, mais c'est pas grave. Ils peuvent pas juste stocker les trucs et les garder pour moi pendant un moment. Ça aurait été plus intéressant, non? Mais enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un petit peu de farm à faire hors vidéo. Là. Ah, il y a une discussion là-bas. On va... Oh, wow, merci. C'est bien gentil de garder les provisions pour moi ici. Je suis désolé, hein, mais il me faut les provisions. Waouh, oh putain, le bon qu'il a fait! Comme si perdre nos maisons n'avait pas suffi. Les Mongols ont eu l'audace de s'y installer. J'ai vu trop de foyers pillés, réduits en cendres. Il y a quelques jours, ils se sont emparés d'une maison près d'ici. L'homme qui y vivait refuse de trouver refuge ailleurs. Il demande qu'on l'aide. J'essaierai de le trouver. Ok, donc du coup... Ça, c'est les objectifs. Est-ce que je peux faire ça sans que ce soit... Alors, en tout cas, il y a de la zone à des... Putain, quoi, regardez-moi ça, tout ce qu'il y a à faire. Tout ce qu'il y a à faire, quoi. Ça va être un truc de fou et tellement long. Mais c'est pas grave. Allez, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Prenez soin de rock'n'roll. N'oubliez pas d'avoir la... Étude. Comme d'être chopocu, vous connaissez la chanson, vous connaissez l'air, vous le dicton, je vous laisse, je fais plein de foutoir tout et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur ce tchabai, bouti bouti et que l'amour du plaisir sur vous. Peace!